Est-ce que l'hypnose peut vraiment vous aider à perdre du poids? Une amie m'a récemment parlé d'une drôle de méthode de perte de poids dont elle a entendu parler dans un magazine. Quand elle m'a expliqué, j'avais de nombreux doutes. Il faut dire. Gary Halliwell des Spice Girls l'utilise. Elle emploie une méthode bien spécifique pour conserver son corps fin, élancé et sexy. Sophie Dahl l'utilise aussi. Elle est passée d'un 46 à un 38 rien qu'avec cette technique. Et la chanteuse Lily Allen fait 3 tailles de moins depuis qu'elle a essayé cette méthode. Quel est leur secret? Le docteur Sandra Amoditi, au cours de son TED Talk fascinant, a récemment révélé que nos cerveaux nous empêchent vraiment de perdre du poids. Ils nous retiennent, mais pourquoi? À type de signaux du cerveau des alertes de famine. Des alertes qui aident votre cerveau à protéger votre corps contre toute perte de poids. Nous n'avons bien sûr jamais rencontré une telle abondance d'aliments délicieux dans l'histoire de l'humanité. Il se trouve que l'approche hypnothérapeutique classique comporte une faille fatale. Alors quelle est la solution? L'anneau gastrique par hypnose est le secret jalousement gardé par la communauté des célébrités. Avec une seule séance, vous vous sentirez, rassasié, entièrement satisfaite et sans envie irrésistible de grignoter. Lorsque vous mangez, vous serez rassasié plus rapidement. Et vous mangerez tout simplement moins en général. Découvrez le système minceur neuronal dans le lien dans la description.